Eh ben dis donc! Eh ben dis donc, je ne voulais pas se lancer le jeu. Bonjour les amis, ici Gros Choco Geek, je vais arrêter de prendre la voix de Bouville. Avec Barry, qui vient nous faire une pause à la Batman, à l'insu de son plein gré. Donc nous voici sur du Phasmophobia. Donc on va y aller simple, hein. On a beaucoup joué en privé avec une personne qui ne veut pas être enregistrée. Donc on a pris du niveau. Mais je vous rassure, je balise toujours autant. On a juste appris un petit peu à jouer à droite, à gauche. On a un peu moins les boules. Enfin, moi surtout, parce que toi, oui, toi, avec ton niveau 200, là, ça va, monsieur. Attends, Choco. Remettons les choses au clair. C'est pas parce que j'ai un certain niveau que je ne flippe pas ma race. Je flippe ma race. Bon, d'accord. Du coup, je fais pas ma stratégie des caméras puisqu'on est que deux. Normalement, quand on est trois, j'amène toutes les caméras à l'intérieur et en général, je trouve les orbes de fantomatiques en 10 secondes. Ouais. Alors, crucifie, 10 degrés, au sale. Voilà, et réponds à tout le monde. J'ai tellement hâte, youpi. Tu m'as pas dit c'est quoi le niveau de la maison, c'est amateur ou professionnel? Intermédiaire, on a deux minutes. Ok, c'est cool. Et on va commencer par le haut. D'accord. Bon bah moi je vais en bas. Bah non, viens peut-être en haut avec moi. Non, c'était une blague, c'était une blague. Ah si j'allumais ma lampe. J'ai tellement l'habitude de me dépasser dans le noir avec mon inventaire. Oh, il a fait un unboxing. Il a fait un unboxing. En parlant d'unboxing, tiens, il y a un nanos là. Ah mais j'ai pas pris d'appareil photo. Eh ben on prendra ça après alors. Enfin, peut-être. Putain, le mec il a reçu un os par la poste, mais c'est naze comme unboxing. Et je vous invite d'ailleurs à regarder sur ma chaîne, hein, y a beaucoup d'unboxing Warhammer Conquest. Plus j'avance dans la collection. Quand j'aurai fini avec Warhammer Conquest, parce que j'ai un financeur qui m'a lâché en route, donc il faut faire des choix. Donc je termine Warhammer Conquest et je reprendrai Candyson après. Putain, j'ai vu la poupée dedans, j'ai cru que c'était un bébé qui était debout, quoi. Non. D'ailleurs, il y a un truc marrant à faire avec certaines poupées. Je peux pas rentrer dedans. Enfin, marrant, oui et non. T'es redescendu? Oui. Ok. J'ai essayé de me cacher dans le placard, mais ça marche pas. Oui, donc ce qu'il y a drôle à faire avec les poupées Globalement, quand tu prends les nounours, que tu les fous par exemple dans le camion ou dans la pièce ou ailleurs, tout simplement, eh ben, t'as une chance que le fantôme vienne la récupérer ou la déplace tout simplement. Dans le camion? Par exemple, oui, c'est arrivé. Ça nous est arrivé avec un ami. Eh ben, c'est drôle, ça sera attesté, j'ai envie de dire. Et moi, j'ai envie de te dire qu'on a une température de 8 dans le salon. Enfin, 9. Ça oscille entre 9 et 12. Donc, okay. Je suppose que c'est dans le coin. Non, le salon, il est grand. Hein. Oh là, j'ai eu des bruits. Non, le salon, c'est là. Hein. C'est clairement là. Hein. Ah, ça fait mumuse avec les portes. Ça fait mumuse. La porte là-bas vient de s'ouvrir. Est-ce que tu peux mettre un coup de thermomètre ici pour me dire que... C'était quoi ça? C'est le fantôme qui vient de faire. D'accord. C'est cette porte là qui s'est ouverte. Ah, EMF4. 4? T'es sûr de 4? Ouais, 4. Ok. Rien dans la baraque. J'ai 15 ici, hein. Non, c'est clairement le couloir. Hein. Bon. J'ai posé le journal là-bas, on sait jamais. Allons chercher des caméras et d'autres machins. Je suis déjà plus très rassuré. Je viens de jeter ma boîte, ma lampe, et j'ai gardé la boîte vide de sel dans la main. C'est une logique impeccable. Du coup, je vais prendre une caméra. Hein. Je vais prendre ça aussi, ça me permettra de retrouver ma lampe. De quoi donc? Ah oui, ça.
Attends, plutôt que de prendre... Oui, non, je vais jeter le crucifix, je reviendrai chercher la spinette après. Donc moi, j'ai tourné ma caméra vers le salon. Tu vas tourner la tienne vers le couloir qu'on vient de zioter. Moi, je pensais la placer par ici, en fait. Allez, ah bon, oui, voilà. c'est exactement ça. Moi, sauf que moi, c'est tourné vers le salon et toi, vers... D'accord, vers les chambres. Tac, voilà. Alors, faut pas que je... Est-ce que tu peux m'éclairer ta caméra, parce que j'ai pas envie de... Ouais, c'est bon. Tac. Ah ! Bouge pas ! Mais pourquoi elle marche plus ? Ah, c'est... tac, tac, tac. Cette fois, je jette la boîte de sel. Oula ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah ça, il cavale à côté de moi le monsieur. Ouais. Mais il a pas laissé d'empreinte au sol. Ça reste un indice. Est-ce qu'il n'aurait pas de pied? Est-ce qu'il n'aurait pas de... Évidemment, comme dit Teubé, on n'a pas coupé la lumière. Bah j'y retourne, voilà. J'y retourne. Attends. Vas-y, je regarde le... Je... Au revoir, si. Je vais... Ouais, j'y vais. Il vient... Ah non, c'est lui qui vient d'allumer une lampe, surtout. Bah, il a allumé la lampe et il l'a fait mumus pour l'éteindre, il me semble. Non, non, il a allumé une lampe qu'on n'a pas allumée du tout. Oui, déjà, la lampe... Quand j'ai dit, je pense que c'est dans le salon, c'est... Elle était déjà allumée. Ah, s'il y a des empreintes de pas par terre. Ça compte pas. Non mais ça pourrait faire du fric si j'avais pris un appareil photo. Elle en est où ma santé mentale moi avec cette histoire? La santé mentale, c'est ce que les tigres préfèrent le plus. Par contre je ne vois pas d'orbe. Mais faut dire que j'ai pas éteint la lumière. Si. Si. Et là? Ah si si, y a pas de lumière. Où êtes-vous? Ah joli empreinte. Ah youpi. C'est la porte de la chambre? Ouais. Tu me vérifies si elle a été validée, s'il te plaît, je vais venir prendre des pilules. Hop, tac tac tac, interaction. Ah, il a pas validé l'empreinte. Non. Ah. Je vais... Enfant... Tu dois prendre une petite pilule. Enfant de sœur. Voilà. Qu'est-ce que... Attends, je vais prendre le crucifix. Et j'arrive. Je vais rapprocher le bouquin. Oh la vache. Il a écrit dans le bouquin. Ok. Bon bah cet appareil photo, il n'y a plus de pose dessus. Voilà, donc je le pose. Alors... Empreinte... Il a écrit dans le bouquin. C'est évidemment. Un esprit ou un revenant. Youpi. On a essayé le donnez-nous un signe. Non. Santé mentale. Marqué dans le cahier parce que j'en ai pris noté aucun pour le moment. Écriture fantomatique. Et je sais plus c'est quoi l'autre. Et empreinte digitale. D'ailleurs que tu as pu avoir en photo. Oui, en plus, oui, c'est moi que. C'est bon, elles sont validées? Oui, oui, c'est validé. C'est validé. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'enfumerait pas un petit coup comme ça? Ça dépend, on a quoi dans les objectifs? Les objectifs chassés, un crucifix, au sol dans l'évier. Bon.
Je t'avoue que chasser avec le crucifix. Mais. Alors. Par contre, on est sûr qu'il y a pas les orbes hein, sur le coup là. Ah bah. Normalement, il me semble qu'avec ces deux-là, il n'y a pas de. Alors, revenant. Ça demande pas d'orbes, ça demande un MF5 par contre. Tu en as eu un 4. C'était peut-être un revenant du coup. Et esprit. Empreinte digitale, spirit box. Donc si la spirit box là ne nous répond pas, c'est que c'est un revenant. We are the dwarf and we dig a dig a hole, dig a dig a hole, dig a dig a hole. We are. Moi, je pense que j'aurais moins peur dans une mine que dans cette baraque. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Qui êtes-vous? Il est où le MF? Ah, il est là. Donnez-nous un signe. J'ai ramassé le MF. Hein. Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Je pense pas qu'il va y rien parler. De détecté. Rien de détecté. T'avais pris en photo le livre en fait? Non, j'ai pas l'appareil photo. C'est fait. Donnez-nous un signe. Pouvoir partir sur le MF5. Hein. Bah ouais, enfin il reste à zéro quoi le MF là. Ouais, mais parce qu'il veut pas donner un signe ou se manifester tout simplement. Donnez-nous un signe. Ouais, je viens d'entendre un bruit de d'interrupteur. Il a dû remettre le courant vu qu'il est allumé derrière toi. Ouais, c'est moi qui ai allumé. Non, bah MF... MF5! Je t'en prie, sors. Merci, on s'en va, au revoir. Faut toujours être poli, hein, si ça se trouve. Bon, repos éternel, on sait jamais. Il n'y aura pas de repos éternel pour lui, puisque les chasseurs vont venir le déloger. Si. Coup de gros sel dans sa gueule. Alors, MF5... Le revenant n'en reviendra pas. je pense franchement que le l'encens dans sa bouche, ça nous a empêché une petite attaque à mon avis malgré tout. C'est dommage, c'est le crucifix qui aurait été pratique pour le... Bon, c'est pas grave. C'est bon, tu l'as noté, on se casse. Oui. On se casse. Auf Wiedersehen. Bye bye. Tintanton! Sayonara!